force de marcher, de wolo comme tout émigré, j'ai été traumatisé par cette société déséquilibrée. D'où mon explosion de tristesse exprimée, qui n'est autre que le refus de ma conscience consciée. Au vu de la situation mondiale en général, celle vécue par des exclus en particulier sans régal. Dis-moi où tu as mal, et je te dirai pourquoi. De la colonisation sans transition à la dévaluation via la mondialisation sans audition des peuples, condamnés, exploités par manipulation des représentants des institutions sans aucune explication. Histoire d'un peuple en dérive, opprimé, souffrant de dépression, n'arrive qu'à être victime des maîtres de la consommation, et ce, sans aucune autre forme de sommation. Dirigé par d'agressifs dictateurs, masqués, cachés derrière des phrases et promesses platoniques, d'une politique révélée antique, des crimes dévoilés par diverses rubriques, dis-moi où tu as mal, et je te dirai pourquoi. Le hasard n'a jamais satisfait les aspirations des peuples défaits, brisés, brimés, aujourd'hui décidés à s'exprimer. Il n'y a rien du vaisseau des hommes qui ne puisse être réalisé par d'autres hommes. C'est pour cela que je demande aux hommes de changer le monde. Propager des virus et du sang contaminé, dissimuler et distribuer les nourritures empoisonnées. Désormais, l'homme est devenu un dépôt toxique des déchets alimentaires. Plus qu'une poubelle, l'homme devient victime des dangers qu'il engendre. Toi-même, tu sais, Claudicia. Vache folle, cochon fou, poule cinglée, fièvre afteuse, chèvre boiteuse. Finalement, cette consommation douteuse expose l'homme à une alimentation dangereuse. Quoi? Victime des politiques, toujours des politiques. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est une science confuse des compromis. Pour les adeptes des polémiques endémiques, qui ne pensent qu'à eux, dépensent avec violence et souffrance l'indépendance des autres, pas de meurtres en séquence et de toute fréquence. À croire qu'ils s'infusent de l'énergie de corps, à voir leurs victimes mises à mort. Ouais. La douleur des miens, la douleur du cœur, Namiyabon. La douleur des miens au quotidien me fait de la peine face à cette politique malsaine des souverains qui se mettent en scène. J'ai mal, aïe! J'exprime ma rage dans cet engrenage qui fait des ravages au sein des pays ruinés, affamés. Puisque nourri par des bactéries devenues armes, c'est pourquoi le nuage de décresse et l'oppression de mondialisation me stresse. Quand sortirons-nous de cette misère des pays pauvres? L'Afrique, debout, debout, réveillez-vous. Réveillons-nous et conjuguons le verbe réussir à tous les temps.